La Terre, parlons-en. Je ne peux plus la supporter. Raisonner les hommes? Mais je trouve que c'est beaucoup trop de responsabilité pour une petite étoile comme moi. Mais les hommes devraient faire plus attention à leur belle maison toute ronde. Ah là là, les amis, pourvu que la Terre se tienne tranquille. Là, sans parler, des grosses larmes coulent sur sa peau argentée. Ce qui n'est pas chouette, c'est qu'elle a perdu sa belle voix. Moi qui étais son nana, son doudou, elle ne me regarde plus du tout. C'est par les ailes que Madeleine voyagera jusqu'au jardin de Nicolas. Voilà, que fait ce gros caillou? Baleine. Elle est malade. Tout d'abord, je vais faire une jolie photo de toi pour voir ce qu'il se passe dans ton ventre. Un porte-manteau? Un porte-manteau? Oh, non, 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 non. Madeleine est guérie. Et maintenant, Madeleine, tu peux nager jusqu'au pied de Terror, le volcan. Grâce à vous, les amis, nous avons évité une catastrophe. Moi, Supernova, j'habite dans le ciel. Moi, Supernova, la Terre, je surveille. Mon ami, c'est la Terre. Elle est pleine de mystères. Visitons l'univers. Oui. Ouais. Moi, je vois comme ma mère, j'ai vu un pestacle de jardin. On va lire ça à ma mère. Et toi, t'as aimé quoi? Le volcan. T'as bien aimé le volcan? Oui, j'ai pas eu peur. C'était rigolo, ce pestacle.